Moi-même, en tant que chef gouvernement, en tant que maestro, en tant que maître, cap mené bac gouvernement, est-ce que le changement ça a venu à partir de travail, feuille de route, itinéraire de tracé pour mon gouvernement ça? Et moi, c'est passé 100 jours seulement, je n'ai pas arrivé à résultat qu'on a espéré, pour t'arrêter de partager préoccupation ça avec vous. Donc, dans le niveau environnement, qui par exemple, itinéraire qui était tracé, dans le niveau éducation, intérieur, planification et affaires étrangères, qui côté nous te dit n'a commencé pour nous arriver aujourd'hui, qui ça qui expliquait que nous pas arrivé à atteindre, en tout moins, satisfaction pas arrivé comblée par rapport à ça nous tracé avec l'équipe Mounsa ou le gouvernement, qui explique aujourd'hui, une action que nous avons posée, c'est mettre au sous-côté et passer, même ramasser l'autre pain pour monter le terrain. Maintenant, si vous mettez mon sous-côté, parce que nous ne connaissons pas, on peut le dire nous devant, parce que justement, vous n'avez pas de résultat, maintenant, quoi y a, qui garantit ou kabanou, assemblée des députés, population, que acteur que vous mettez aujourd'hui dans la même position, c'est vous-même qui avez pour le résultat, puis devant, dans le contexte que le changement vous faites là. Dans ce sens, Sa Excellence, nous pensons que nous sommes capables seulement de prendre quelques petits exemples. Mais comme il y a de l'autre député qui vient pour intervenir, je vais quitter ça pour plus devant. Sous question, par exemple, entre l'école là, Excellence. Le gouvernement a passé un bon temps, pour ne pas dire tout le temps. Pas de seule intervention. Nous pas fait, nous faisons la presse pour ne pas vanter, pour ne pas vanter. Quant à moi, sous question éducation, quand il dit qu'il y a l'école, etc., etc. Il paraît vraiment bizarre, il paraît vraiment bizarre, pendant que nous chantons quant à moi, sous ça nous fait, sous réussite nous dans la question éducation, dans la question de l'école, et puis bride sous comment, plus gros décision qui est capable de courir quant à moi, nous chantons, c'est renvoyer ouverture l'école là pour moi encore. Nous connaissons clairement, même j'ai avec vous, standard international là, c'est 200 jours classe. Et d'un côté, ça n'a pas gagné toute fête que nous-mêmes, nous gagnons en Haïti, qui généralement perturbé à l'école. Sous plan climatique Excellence, nous connaissons par exemple, depuis arriver dans le mois d'avril, et si tout année ça, par exemple, depuis arriver dans le mois d'avril, il n'est pas du tout confortable, il n'est pas du tout confortable pour professeur travailler dans la salle de classe. Est-ce que ces informations sont au gouvernement? Est-ce que c'est des bagailles qui paraissent nouveaux pour nous-mêmes dans le gouvernement? Qui est-ce qui est capable d'expliquer fondamentalement reporter ouverture l'école là pour un mois encore? Maintenant, si c'est vrai par exemple qu'il y a des bagailles qui gagnent pour voir la question monde qui paye l'argent, qui gagnent pour la question parents qui ne travaillent, mais avant même nous arriver là, Excellence, vous êtes d'accord avec moi? C'est prérogative, justement, gouvernement lui-même, pour te prendre toutes les mesures nécessaires pour te rendre l'école possible, au lieu que nous t'arrivions à renvoyer pour un mois encore. Donc, là, nous mettons tout ça dans le paquet, nous-mêmes, députés, nous vraiment préoccupés par un changement qui fait dans le gouvernement. Côté des acteurs, nous estimons ces deux acteurs transversales. Ouais, pour question par exemple stabilité de pays, hein, c'est des acteurs transversales. Question environnement par exemple, question éducation, etc. Et l'autre encore, yon côté gouvernement chanté quant à moi sous ça réalisé dans la question l'école, et puis gros mezi qui est capable de courir, et quant à moi ça, c'est renvoyer ouvert l'école là pour yon mois encore. Donc, Excellence, moi-même, avec tout député convocateur, gagne la de qui peut prendre la parole encore. Donc, nous préoccupés par ensemble de décision ça. Et nous-mêmes, nous chita sous sa constitution ben nous comme prérogative pour nous capables, ouais, dans qui mesi, ensemble de préoccupations, ensemble de raisons, ensemble d'arguments qui poussent le gouvernement, qui poussent particulièrement à prendre une décision, nous-mêmes, nous t'arrêtons partager avec vous. Et c'est dans l'esprit ça, nous estimer convocation matin. Ça que je remarque pour moi, le ministre des Affaires étrangères là, est difficilement compatible avec le rôle Premier ministre. Parce que le rôle ministre des Affaires étrangères, là, son rôle qui pour
toute la semaine journée fort de yon pays a ou ap chèche opportunité pour venir mettre dans pays a et ou le premier ministre là c'est gérer en dans pays a donc à moins que nous séparer nous en deux ce que me pas faire on parti de yon, on parti en dedans mais essayer faire comme ça et l'aime parti par exemple me fait et par exemple l'aime parti mal fait tourner et en Angleterre là tourner a très bien passé mais étant donné que on suivi assidu pour me faire pratiquement par minute. L'homme en Haïti, il est difficile que le, par exemple, Marlon m'a rencontré avec le ministre des Affaires étrangères, que m'a fait suivre en Haïti tout, avec, par exemple, un problème que ou capable de gagner dans la commune. Donc, il est incompatible. Donc, dans le rôle, pam, parce que moi, je voulais atterrir, et j'en dis, tous les deux ministères sont lourds. Le ministre des Affaires étrangères, son ministère qui est lourd, son ministère avec un pile de responsabilité, mais responsabilité de deux pays. Tandis que, plan les plus compatibles avec le Premier ministre, il y a plusieurs précédents comme ça, il y a plusieurs Premier ministres qui étaient ministres plan, et l'homme est entré dans la position, je comprends pour ça, parce que il y a un pile relation l'une avec l'autre. Pour me rassurer, je vais rassurer que le gouvernement Martelly Lamotte là, pas une politique clanique, et député qui n'est pas d'accord, yo gen place yo pour yo vinn visiter nous dans primature pour discuter problème bon la caillou. Donc moi assure sous ça. Sous diplomatie d'affaires là. Bon. Gen un pile qui fait déjà. Seulement nous voyons une situation qui pas facile. Nous voyons des locaux qui en dégraba. Nous voyons axe diplomatie, hein, c'est plus une diplomatie de représentation que une diplomatie active pour aller chercher investissement. Seul bagage, la diplomatie d'affaires là, lui-même son concept que lié, même genre aux États-Unis, qu'on est à la où Hillary Clinton, c'est diplomatie d'affaires que le fait, et où elle que depuis qu'on compagnie américaine qui par exemple un problème au côté, où est que diplomate intervenu, ça fait ça entre dans quatre diplomatie d'affaires là. Les diplomaties d'affaires là sont nous aller sur des points spécifiques. Premièrement, aller sur un point de promotion d'image de pays. Et très prochainement, nous finis garder pour qui type d'image, qui type de promotion pour nous faire pour pays. Et Paris, Miami avec New York, nous allons si nous voyager l'autre bois pendant prochain jour, nous allons des bails que nous battons avant. Nous allons des groupes. Promotion qu'a fait pour moun vin investir en Haïti et après dans zone côté diaspora yo hier pour ça parce que nous jugeons que c'est premier cible qui pour vin réinvestir dans pays yo c'est haïtiens qui vivent l'autre bord de l'eau. Si nous regardons profil consul général et ambassadeur que nous approuvé yo qui passé devant parlement jusqu'à présent une grosse majorité là-dedans yo profil c'est des profils qui fait partie de chambre de commerce et industrie qui fait et promotion de commerce déjà donc expertise là nous vinn changer li ensuite dans quatre diplomatie d'affaires là gen un caravane de l'investissement qui organisé qui passe dans cinq pays gros villes aux États-Unis qui a continué en Europe gen un conférence investisseur qui organisé ici gon l'autre qui va l'organiser encore en fin année donc gen en pile mouvement qu'a fait pour question diplomatie bon pratiquement diplomatie d'affaires râler investisseurs pour venir mettre Haïti comme sous radar pour investir connait là est-ce que parce que nous venons avec un concept diplomatie d'affaires ça veut dire que demain matin pral gen 500 investisseurs puis l'hôtel qui va commencer non pas du tout nous gen 208 ans côté que pays a dans une situation, nous toutes là, pas dit seulement gouvernement, non, nous toutes, et là, mais inclus parlement là-dedans, parce que dans le parlement, tout, il y a un autre dynamisme, il y a un autre approche, une approche qui est beaucoup plus agressive, dynamique pour faire pays à marcher. La décision que le gouvernement prend pour que le reporter rentre scolaire là, sont décisions qui fondées sur un ensemble d'éléments. Nous connaissons et dans le souci du gouvernement pour améliorer. Conditions famille mounio soutenir mounio dans question scolarisation universelle gratuite et obligatoire té gen un vaste programme pour voyer ti moun l'école gratis et nous connaît gen plus que 1 million ti moun qui té rentré l'école et
condition yo la façon il était fait là grand pile bagay qui pas bien et c'est vrai que report l'an causé on perd de disons 20 jours c'est vrai mais ça qui vient passer le yon moun l'école on ti moun l'école c'est pas le nombre de jours seulement passé mais c'est le temps d'enseignement temps d'apprentissage dans les fondamentales donc je dis un système n'a confronté un problème parce que taux d'absentéisme est extrêmement élevé donc là c'est pas seulement si moun nan à l'école nous dit 200 jours c'est la moyenne internationale et puis pas assurer nous vraiment que gen un dispositif qui là pour que ti moun nan ait tout ça besoin pour aller à l'école. Dans quatre programmes PSUGO que nous connaissons, ces programmes de scolarisation universelle gratuite et obligatoire, gagnent un ensemble de problèmes à corriger. Problème qui corrigent, c'est le paiement des écoles. Je dis, dans le cadre stratégique que le gouvernement prend pour l'école SAO, c'était trois tranches. Nous connaissons très bien trois tranches pour quitter bail. Il y a une première tranche, il y a une deuxième et une troisième tranche. Mais la troisième tranche, elle est conditionnée par un audit qui vous fait. Et PM dans ce deal-là, audit dans le coup, il va finir. Donc, gen l'école qui n'en base non n'en base de données que nous montons, gen l'école qui pas enregistré, ça veut dire qu'il y a des problèmes. Gen l'école, gen problème de nom au niveau de la BNC, ou pas un numéro contrôlé. Donc c'est des petits problèmes pour nous régler. Deuxièmement, une question enseignant. Jodi, gagné environ 4300 enseignants. C'est nouveaux enseignants qui sont injectés dans le système non dans quatre programmes ça. Et enseignants ça gagné jusqu'à présent contrairement pour finaliser, il y a environ 1 million comme ça. Et ça, un enseignant qui est contrat au finalisé, et ça pas finalisé, tout est une décision que le gouvernement te prend, côté qu'il a avancé 3 mois de salaire. Comment? Un millier de contrats. Donc, gagner, ouais, ça t'a fait exagérer, gagner en fait 7 mois de salaire. Que enseignants ça eux pour rejoindre et enseignants ça c'est des pères de famille il y a petit monde l'école faut vous petit monde l'école kounya comment on commande enseignants ça pour retourner en salle de classe al travail alors que il y a 7 mois on va toucher donc nous prenons décision pour que nous capable payer enseignants ça comprendre bien il y a environ 4300 enseignants OK pour faire chèque pour eux pour préparer l'entrée scolaire ensemble avec eux parce que faut une formation qui fait c'est des c'est des activités que tu as faites, mais quand nous avons un retard là-dedans, nous accusons des retards, nous sommes conscients que le problème est un problème de planification, tout. Mais nous connaissons que l'État là, c'est l'État qui fait en pile, et je dis, on a mis tout ça qui est possible dans tout dispositif approprié pour que nous renforcions l'État là, et fait que le nous fait rentrer scolaire là, et que si nous avons un manuel dans le parce que Anessa, le thème de l'entrée scolaire nous dit c'est le virage de la qualité. Gros effort qui fait sous question accès. Mais si on ti moun fait une année scolaire okay. Vers la qualité, ça veut dire nous avons un problème qui grave. Le problème qui grave, non, c'est que si moun yo, nous connaissons, dans le système, il y a des études qui montrent que si moun en 4e année fondamentale, il va rendre. 5e année fondamentale, il va rendre. Ça veut dire, ce n'est pas seulement voyer, vous voulez passer 200 jours là, fait assurer nous, parce que il y a un honorable qui parlait là de mesure d'accompagnement, que si moun en lui apprendre, ça doit apprendre et dans de bonnes conditions. Et voilà, un ensemble de raisons qui fait que le report rentrée scolaire est fixé à 3 octobre. Nous avons une marge d'environ un mois et demi pour que nous mettions en place dispositif, question manuel scolaire, question et kit scolaire, parce que il y a des retards, parce que je dis, notre trésor public n'a pas financé kit scolaire. La plupart du temps, c'est bailleur de fonds qui baille comme. Eh bien, je dis, nous avons pile retard parce que nous connaissons la procédure bailleur de fonds hein, pour nous arriver à décaisser pour question kit scolaire, uniforme, tout ça, procédure très lourde. Donc, nous avons essayé d'avancer Kounia là, ensemble avec eux, parce que nous avons pris des mesures d'urgence pour que vraiment nous arrivions le 1er octobre, que tout le monde aille à l'école et que nous avons tout paquet minimum que nous devons gagner pour aller à l'école parce que l'un de nous mettre à l'école, il faut assurer nous qu'il y a l'école là et il n'y a pas à prendre. Ça, c'est fondamental pour nous.